Je voudrais savoir ce que Muriel Carnot faisait chez votre mari. Vous savez, j'ai déjà répondu à vos collègues. Je me dis que si Dieu m'attire à ce point... Tu baisses ma frangine ? Putain d'enfoiré ! C'est moi qui ai les cartes en main. Je ne vous m'expliquer rien du tout. Je suis ici les hommes les plus forts, les plus courageux que j'ai jamais vus. Tu étais aujourd'hui. Je vois tout ce potentiel. Et je le vois gâché. J'aimerais bien un peu de calme et un sourire, monsieur. Ça me ferait du bien, un sourire. Je vois des générations entières qui travaillent des pompes à essence. Quand c'est ta femme, tu penses pas. Qui font le service dans des restos. Comment tu t'appelles ? Qui sont des stas, un petit chef dans un bureau. C'est pas sa main, enfin, c'est l'été. Rien a vraiment fonctionné comme je l'espère. La pub nous fait courir après des bagnoles et des fringues. Ça fonctionne rarement comme on l'espère. On fait des boulots qu'on déteste pour nous payer des merdes qui nous servent à rien. Bon, non, pas du tout. Les enfants ont oublié de l'histoire. Je carburerai 2 grammes par jour. On n'a pas de but, c'est une vraie place. Ah ouais, c'est comme dans un cirque, tu vois, c'est... comme une roulotte. Et j'ai pour consigne de balancer toutes les couilles de l'autre. Pas de grande guerre. Il n'aurait pas la pointure pour servir ma chère unité. T'as de punaise, est-ce que c'est clair? Notre grande guerre est spirituelle. Vous avez baisé? Non. Notre grande dépression, c'est nos vies. Ça ne marche pas comme ça, je ne vous permets pas de m'influencer. Anne, il faut que je vous dise. Je vous ai un petit peu fait marcher de pied. Je t'ai déjà dit il y a longtemps que tu pouvais enculer un singe, mais pas moi. Hein? C'est quoi ces mots, Alex? Tu veux te battre? T'as fait tomber ça tout à l'heure. Vous n'avez pas à me cacher votre visage.